Je suis exploitant depuis 1988. Je produis la banane Cavendish sous une superficie de 3 hectares. Et j'essaie de travailler de manière, je vais dire, à l'ancienne, on veut dire, en n'utilisant pas de pesticides afin d'avoir un fruit de meilleure qualité. Qu'est-ce qui a changé dans le métier? Quand j'ai commencé au début, effectivement, il y avait des produits qu'on pouvait utiliser. Mais pour la préservation de l'environnement, j'ai consenti à ne pas les utiliser, à les abandonner et à mettre en place d'autres pratiques agricoles, telles que les plantes de couverture pour ne pas avoir utilisé d'herbicides, les pièges à charançon pour ne pas avoir à utiliser d'insecticides non plus. Et puis, tout cela a permis qu'il y ait une vie qui reprenne au niveau des exploitations, telles que les vers de terre, tous les insectes qui sont utiles au sol pour pouvoir le travailler, le maintenir en état. Alors, vous allez être primé. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est une surprise pour moi parce que je ne savais pas en arrivant ici. Ça a été une surprise de l'apprendre. Bon, maintenant, c'est une bonne chose, mais je pense que être primé ne suffit pas parce que je pense que les exploitants ont besoin d'aide pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer la qualité des produits. Bon, certaines peuvent y arriver petit à petit, mais si on a une aide particulièrement financière pour mettre les choses en place, ça aurait été avantageux pour le planteur, pour aller un peu plus vite.